Salut tout le monde, c'est Geeks, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la carrière. On est parti pour le Grand Prix du Mexique. Il reste seulement 3 Grands Prix en comptant celui-là avant la fin de la saison. C'est très très serré entre Ferrari et Mercedes, surtout au niveau du classement pilote entre Vettel, Lewis et Bottas. En tout cas, je vous en dis pas plus à part que c'est très très serré et que je kiffe ce Grand Prix. Let's go! Let's go chercher les grosses places devant. Je crois. Allez, c'est parti. Elle a glissé comme il fallait, ça c'était cool. Allez, let's go là. P5. Oh, c'est chaud, c'est chaud. Aïe, 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 aïe. Putain, Ocon, il nous a éclaté. Ah non, il nous a mis 80 millièmes. C'est trop serré, regardez. Aïe, aïe, aïe. Ah ouais, frérot. Hamilton part en pole position et Guillaume complète la première ligne. En ce qui concerne le reste de la grille, Bottas, Ricciardo, Max Verstappen et Hülkenberg, Magnussen, Raikkonen, Ocon et Lance Stroll, Leclerc, Sirotkin, Stoffel Vandoorne et Gasly, Alonso, Hartley, Marcus Ericsson et Carlos Sainz. Ils ont reçu une pénalité sur la grille. Grosjean et Sébastien Vettel qui partent dernier sur la grille. Les pilotes s'installent sur la grille, il est temps pour vous de monter le volume et rendez-vous au premier virage. Ouah les gars, Vettel il part dernier, il était premier au classement, il a genre 6 points d'avance sur Lewis et Lewis il part premier. Il y a Mercedes, ils ont 20 points d'avance au constructeur sur Ferrari et ils sont devant. Ouah, Ferrari ils sont en train de prendre grave cher là, faut vraiment qu'ils fassent une bonne course pour essayer de perdre le moins de points possible. Mais waouh, c'est chaud. Oh, Vettel il part dernier, il avait fait la pole position, il a dû se prendre masse de pénalités, il a dû tout changer son moteur pour aller jusqu'au bout de la saison. Et bah Lewis lui il en a déjà pris des pénalités, donc peut-être qu'il va aller jusqu'au bout. Mais ouah, c'est chaud entre Ferrari et Mercedes là au classement, ça va être terrible. Bon allez, c'est parti, chaud ma gueule. Allez, pas de patinage là. Est-ce que je serai en tête au premier virage avec un départ de folie? Raikkonen il est loin, on peut essayer de rattraper pour le championnat, il reste 3 courses. Lewis va peut-être reprendre la tête du championnat. Vettel par dernier avec les pénalités. Last to first pour lui. Oh, départ moyen. Je suis resté calé, mais j'ai pas patiné. Ouh, c'était chaud là. J'ai pas voulu faire l'intérieur, sinon c'est trop simple. J'ai rien cassé.
Ça va être chaud en termes de performance. On est juste un petit peu en dessous de Mercedes, bien en dessous de Ferrari et au même niveau que la Red Bull. Ça va être chaud de revenir sur les Mercedes, allons vite. Moi j'arrive pas à être à fond. On s'est pris 2 dixièmes sur ce tour. Verstappen il est proche mais il a pas le moteur pour venir nous chercher. Assouvir ma caisse, c'est bizarre. Assouvirait pas tout à l'heure comme ça. Il a jamais été aussi proche Verstappen. Mon moteur, il le démonte. Pourtant, il a le DRS. Ouh là là, l'équerre. On se fait attaquer par Verstappen, c'est chaud, il va avoir l'avantage. Faut qu'on rentre au stand. Je vais m'arrêter. On va essayer d'undercut. Raikkonen qui rentre au stand. Il a dû avoir un problème. Je pense pas qu'il termine dans les points cette course. Ah ouais, je vais avoir du trafic là. C'est pas bon ça. Ericsson, je reviens comme une flèche. Ça rentre pas au stand encore pour les leaders. J'espère que je suis pas rentré trop tôt. J'ai pas vu la stratégie, je me rappelle plus. Allez, bouge ta caisse, Ericsson. Ah, j'ai perdu une masse de temps là. Wow, trop de vitesse. Reste à ta place, mec. Ils avancent pas avec leurs vieux pneus usés, là. Ouais, ça rentre au stand, nickel. Ça va me faire gagner de la place. La Red Bull, elle s'est arrêtée, je crois. On ressort juste à côté de Verstappen. L'undercut a fonctionné. Wow, c'est chaud, ils avancent pas. Allez les gars, allez, allez. Wow. À 3 de front. Ça va passer. Let's go. Équipé au stand. Allez, avance ta caisse, gros. Ah, ils me font perdre tellement de temps. Oh, il y a la Mercedes. Il y a Bottas.
Allez, 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 come on, à fond. Yes, non, c'est pas... Ah, j'ai parlé trop vite. Dommage. Allez, faut pas lâcher. Oh là là, il va nous faire perdre du temps. Ah, oh, Sirotkin. Il y a Verstappen qui revient derrière. Il nous avait dépassé tout à l'heure. Oh, il n'est jamais été aussi proche. Allez, 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 allez. C'est pas le moment de craquer. Ça, il a pas pu m'attaquer. Mais il peut le faire ailleurs. Là, par exemple. J'ai plus de RS, je vais devoir prendre l'intérieur. Ah ouais, il va avoir l'avantage là. Allez, faut insister à l'extérieur. Putain, c'est chaud. Allez, 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 à fond, là. Yes. On a gardé l'avantage. Putain, c'est chaud, j'ai plus de pneus. Non, c'est pas lui qui a un problème, il va trop vite. Oh, j'ai loupé mon freinage. Dommage qu'il insiste pas à l'extérieur, l'IA. Oh, j'ai plus de pneus. Oh my god. Oh, c'est chaud. Non. Oh, il s'est loupé aussi, Verstappen. Oh mon dieu. Oh, j'ai failli la perdre. Allez, c'est fait, je pense. Il peut pas nous rattraper. Lewis qui gagne. On va finir avec un tout petit peu d'avance là sur Verstappen. Yes! Let's go! Selon vous, Nicolas Martin, qu'est-ce qui a fait la différence aujourd'hui? Je pense que la météo était parfaitement adaptée à leur monoplace. Toutes les conditions étaient réunies. Vent, température de la piste. Lorsque la température des pneus est optimale, les performances sont au rendez-vous. Vous avez donc tout intérêt à maintenir cette température. Voilà ce qui a fait la différence aujourd'hui. Leur monoplace semblait à l'aise sur la piste. Lewis qui gagne, il reprend la tête du championnat là. Wow, Lewis il est transparent. Lewis il était transparent. Et voilà les amis, cette vidéo est terminée, on se laisse donc sur un très beau podium de ma part. C'était un petit peu compliqué à la fin de la course vu que je me suis arrêté très très tôt. A noter que Vettel a réussi quand même à marquer un point, mais ça va pas lui permettre de garder la tête du championnat. Et comme vous allez le voir, il va passer deuxième, et donc ça promet vraiment une fin de saison de folie parce que Ferrari va passer devant. En tout cas voilà, merci à tous d'avoir regardé, n'hésitez pas à like, peace.